That's good. Bon. But I think you don't need to film the coffee cup. I think the main character is here. But it's cool transition. Not the coffee cup. But it's cool that you move. Okay. Narcissistic. What the f- Oh. I think you can see that it was on your hand before. Il y a 2 ans, j'ai rencontré madame. Et depuis que je l'ai rencontrée, en fait, on n'a pas fait énormément de trucs. Tu vois, j'ai passé un peu mon temps à bosser. C'est le problème de mecs comme moi, on a tendance à tout le temps sacrifier le présent pour le futur. Donc on est là en mode travail, travail, travail. Hop, hop. A little bit. But I guess that's why we pay 70 euros for cleaning fees. Et je pense que c'est là-dessus que j'avais un travail à faire. Donc, au dernier moment, parce que là on doit partir du Mexique dans 2 jours, on a réservé cette villa-là, un truc que je fais jamais d'habitude, tu vois, on vit toujours dans des apparts un peu pourris, et on va partir à Tulum pour visiter les ruines, s'entraîner dans le Jungle Gym, c'est une espèce de salle de sport style jungle et tout, donc on va y aller juste après. Que vous compreniez un peu en fait, le but c'est un peu ma thérapie personnelle, tu vois, d'apprendre à... Au final c'est même pas vraiment une thérapie parce que j'en profite pour être productif et faire un vlog, mais c'est un bon début. Allez. I want to kick it. Ah, Dorka a pris un peu d'avance parce que j'avais besoin de poster une story. Come on, let's go! Ok. Putain, c'est casse-gueule. Il y a des trous un peu partout sur la route, mais carrément bien à la bourre. Comme vous voyez, Dorka est très rapide. Hein. On vient de parquer les vélos, du coup, on a pris les billets. How much did you pay? 180. Genre 10 balles l'entrée. Et on va visiter les ruines, du coup, c'est des ruines mayas. C'est les mecs en fait qui se sont fait exploser la gueule quand Hernán Cortés il est arrivé. Ils sont surtout pris des maladies en fait dans la gueule, tu vois, parce que les Européens ils vivaient. Enfin, je vais te raconter ça quand on va arriver aux ruines, mais j'ai préparé ma petite histoire. Non, mais je le savais depuis un moment en vrai, parce que je sais tout. À toutes. What's up, los bebés? My belt. Oh, I thought you were fixing your JJ. Oh, oui. Les gens ici sont pas hyper grands. Sorry, sorry. Ok, putain, look, so cool. Première impression, c'est beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais. Tout le monde nous disait que c'était des petites ruines par rapport aux ruines de Chichen Itza qu'on n'a pas pris le temps de visiter. Mais oh. Oh, c'est le sens. Religious ceremonies going on there. We're baptizing people. To watch. Yeah. Imagine you come here by boat 500 years ago, you park the boat, and then you have people like extranjeros por ahí. Nice. No, beep, it's running towards us. Recording. Toutes les ruines qu'on est en train de visiter, elles appartiennent à l'empire Maya, qui était l'empire en place au moment où les Espagnols sont arrivés avec Hernán Cortés en 1500 et quelques, je me souviens plus exactement. Vérifie quand même si j'avais vraiment envie d'apprendre des trucs sur l'histoire.
Les Mayas, au moment où les Espagnols sont arrivés, ils avaient un choix, tu vois. Soit ils s'ouvraient à l'inconnu, soit ils disaient, écoute, non, en fait, on ferme les frontières, on laisse pas les Espagnols venir. Quand les deux populations sont rentrées en contact, l'écrasante majorité des autochtones, donc les mecs qui habitaient sur ces terres-ci, sont morts parce qu'ils sont rentrés en contact avec l'inconnu. Se montrer ouvert dans certaines situations, ça peut être une bonne chose. Au niveau personnel, tu vas, t'explores des nouvelles choses, tu grandis, tu deviens meilleur. Par contre, il y a toujours un risque. Donc fais attention à ça. Si tu as envie de partir voyager, de lancer des projets entrepreneuriaux, rencontrer des personnes nouvelles qui sont des sources de chaos à chaque fois, essaye d'avoir dans ta propre vie, dans ton propre quotidien, suffisamment d'ordre. Toujours équilibre entre ordre et le chaos. J'en ai énormément parlé dans la série de podcasts que j'ai faite sur le livre de Jordan Peterson, là, 12 règles pour une vie. C'est des notions qui sont hyper importantes. Il est 3h, on termine cette petite visite dans les ruines de Tulum et on va devoir tracer pour arriver à Jungle Gym aussi vite que possible parce qu'en fait ça ferme à 5h. Donc si on veut taper un petit entraînement. Ah, c'est ça les por allá. Ouf, derecho. Muchas gracias. Bon, bah, du coup, on doit repartir dans l'autre sens. On vient d'arriver sur la plage de Tulum. Elle a mangé un peu de risotto. Moi, j'ai rien bouffé. Il va être 4h là. Et j'ai trop la dalle. Mais là, on peut s'entraîner. Regarde, c'est juste là. Hop là. Can you describe what dengue was? Dengue is the worst ever illness I had. It hurts as if your bones were breaking in your body. Anyada what? Anyada means your mother. Ah, okay. Is there a goal to this workout? Survive. Putain! My head's spinning. Je profite du fait que j'ai des haltères parce que ça, normalement, à l'extérieur, je peux pas muscler. Pareil pour les biceps. Quand je fais des tractions, c'est plus mon dos qui prend, pour ça que j'ai un grand dos et des petits bras. Bunga bunga, let's go. Allez, niveau 2. 1, 2, 3. Give me an exercise. Bulgarian. Just like this? Yeah. Putain. Other side right away? Personally, I rest, but... Some pool with you. With me? Yeah, come. 5, 6, 7, 8. Whoa. Okay, take some stones. Babe, it's very heavy. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck. And there we go. 1. Babe, it's push-ups. Come on, come on, come on. 30, 20, biceps curls, go. Hey, we're going crazy. Okay. Donc on va filmer un peu les trucs pour Dorca, c'est parti. More work in your quads, also in the back one. Okay. If you bend forward, you get a bigger stretch in your glutes and you push yourself up from the glutes. Nice. That way. Finish the workout. Do you want to just lay down in the sand? Yeah, keep the camera. Keep it. Dead for all. A bit less, a bit more natural. Nice! Il y a 2 ans, quand j'étais ici à Playa del Carmen, ce que je me suis dit, c'est que j'avais envie de venir là avec ma meuf, que je connaissais pas encore du coup, pour partager avec elle des souvenirs dans ce genre d'endroit. Et du coup, très content d'avoir pu passer cette journée, ces 2 journées ici. Je pense que c'était important pour moi et
Je me suis fait une petite frayeur parce que j'ai réalisé, tu vois, il y a 3 jours que j'étais venu au Mexique avec ma copine justement pour vivre ce genre d'expérience et que au final, j'allais me laisser aspirer par mon taf comme c'est toujours le cas. Perso, tu vois, ça me saoule d'aller dans le resto du coin ou d'aller faire des trucs random comme ça. Et si c'est ton cas aussi, ben, vis des expériences que tu n'as jamais vécues, tu vois, genre le resto qu'on allait se faire hier soir. Putain, j'ai payé 500 balles dans un resto, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça valait la peine, tu vois, parce que je l'avais jamais fait et du coup, j'ai pu profiter d'un moment unique avec ma meuf, un petit peu thirsty. Comment? No, it's of course, okay. Of course. Yeah. Okay. You want to sit here? ¿Quieres sentarte aquí? Okay, where are you from? Germany. Germany. Möchtest du hier sitzen? Was hast du gesagt? Ich komme aus der Schweiz. You can select 7 languages. 7 languages. Woher kommst du? Deutschland, woher? Ja, woher Deutschland? In der Nähe von München. Ah, in der Nähe von München. Okay. Très content de cette fin de journée. Je peux rentrer en Suisse sans regret. Repartir à Barcelone pour travailler correctement. Je te souhaite une très très bonne fin de journée. Très bonne suite de vie. Et à la prochaine. Ciao.